Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se calme pour une nouvelle vidéo la famille. Le grand projet d'Adebayor pour le football togolais. Mais bref, avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est super important. Likez, commentez, partagez la vidéo. On commence. Au cours du mois de mars 2023, Adebayor Chehi a surpris ses fans avec la nouvelle concernant sa retraite internationale. Il a annoncé à travers son compte Instagram en remerciant toutes ces personnes qui l'ont soutenu. Que fera alors la star après sa retraite? Selon les avis, Adebayor se lancera dans le coaching, tout comme l'ont fait ses pairs à l'instar de Rigobert Song, Nibombé Daré, etc. D'ailleurs, il s'investit déjà dans le football togolais en apportant son soutien à la jeune génération. Dans une interview qu'il avait lui-même accordée pendant qu'il était encore joueur, Adebayor Chehi a donné un aperçu sur le domaine dans lequel il se lancera après sa retraite. En premier lieu, il profitera au maximum de ce temps de repos. Ensuite, il créera un centre de formation pour les jeunes générations à venir. Je cite, « Je veux rester dans la forêt avec les jeunes frères, les enseigner et leur donner la mentalité d'un gagnant. Je vais créer un centre de formation qui ne sera pas grand, mais qui sera digne à mon nom », a-t-il confié. La star n'a pas manqué de revenir sur les événements qui ont bouleversé sa vie quand il était au Real Madrid. Il a abordé sa mésentente avec sa famille, une affaire qui avait scandalisé la toile. Je cite, « Quand j'étais au Real Madrid, mon propre grand frère a écrit une lettre aux dirigeants pour leur demander de résilier mon contrat. Lorsque les membres de ma famille m'appelaient pour me demander une aide et que je ne les leur accordais pas immédiatement, ils me menaçaient de contacter les journalistes. Finalement, je me suis rendu compte que ma famille voulait que je tombe », a-t-il ajouté. Nous ne souhaitons que bonne chance à la star pour son projet. Eh bien famille, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. On se calme pour une prochaine vidéo la famille. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.